préparation du voyage. Aujourd'hui, on part pour Courchevel. On s'en va en voyage avec les 6 enfants. Ça va être notre premier vol avec le petit bébé. Elle a un nouveau passeport tout frais. Et puis, on va aller faire du ski dans les Alpes. On est vraiment chanceux. On va quitter les belles plaines enneigées de Longueuil. Puis on s'en va prendre l'avion. L'avion part à 8h45. Nos valises sont prêtes. On a ces petites valises, deux petites valises, un gros sac. Il y a quelques sacs là-bas. Et puis, derrière. Et puis derrière, on a deux grosses valises plus la poussette. Et voilà, on part. Regardez-moi ça, la glace. Quand même dégueu. On va être content de revenir. Ça va être tout fondu, hein, c'est ça. Ok, on est stationné. On est stationné P9H2. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire dans le pit. Il va falloir que je marque pendant 10 minutes juste pour sortir du stationnement. Il y a une navette, mais là, ça va pas marcher. Je pense pas que c'est correct. La dernière fois, j'ai passé par-dessus ici. J'ai traversé la rue. Non, ça, c'est pas évident. Là, il y a des murets. Pas safe pantoute, ça. Cochonnerie. Oh mon dieu. Ok! Ok, on va s'en sortir! Ça va être notre premier voyage avec Marie-Rose. Des valises auxquelles j'avais pas pensé, c'est les sièges d'auto. Faut qu'on amène 3 sièges d'auto. Une coquille, puis 2 sièges pour mettre dans les chars là-bas. D'habitude, c'est lourd, tannant. Mais là, les enfants, ils se tiennent mieux, puis ils transportent leurs petites valises, là. Ça va bien aller. Travaux en cours maintenant. Ah ben voilà! Tu t'entends d'y aller là? En avant! Et voyons, voyons! 26! Là, on a commandé 6 poutines parce que le vol, on peut pas s'inscrire tout de suite. Il faut attendre dans 30 minutes. Disons qu'on est un peu pressé. Dans 5 minutes, il faut qu'on retourne à la gate pour se faire enregistrer et passer à la sécurité. Tout le monde s'est pris une poutine. Oh là là. Non, pas tout le monde. Oh non. Bon, on est libanais pour Michel. Et Marie-Rose. Moi, j'ai un petit truc au chocolat qui a l'air vraiment bon. Moi, ce que j'ai, c'est une espèce de chose au chocolat qui a l'air vraiment bon. La jante de bord, elle est venue jusqu'à nous, à notre table, pour nous prendre nos passeports parce que c'était trop limite. Puis elle est venue nous les reporter, puis elle a fait l'embarquement des 2 derniers bagages. Pfiou, vraiment un bon service. On vient juste de passer à la sécurité. La pire chose en voyage, c'est vraiment ça. Trimballer non pas un, mais 2 sièges de bébé. Dans nos bras alors qu'on a même plus de chariot, ça c'est tannant. Ok, les sièges. Ok, la porte est juste là. Oh. C'est la force, la vraie force. J'allais dire, le bébé qui pleure, c'est pas à nous, mais là, je me rends compte que... Eh oui! C'est à nous! Regarde, tiens à droite. Oui, oui, Paul. Toi, mon gars? J'entends rien. J'entends rien de ce que t'as dit. Oh, mais papa, je suis. Elle a même mis le sapin de Que les s'est endormi au décollage.
passer, Nico. Oh là là! Le blanc! Un canif géant. Tout un ensemble de canifs. Ben on est en Suisse là. C'est quoi ça? Regarde. Le vol s'est très bien déroulé. Il faut qu'on trouve la location d'auto en trimballant toutes ces valises là. Sauf qu'on en a trois comme ça. Ça, c'est le lac du Bourget! Ils sont à nous! Un beau lac avec un flanc de montagne qui descend. C'est très joli. Mais c'est pas à nous. C'est la fin de notre première veillée. Vous voyez, je perds la voix. On est allé manger déjà de la raclette. J'avais jamais fait une grosse meule, ça coule. Wow! Puis là, ça fait une grosse journée. On a eu la. Les vols en avion, là, puis tout ça, c'est quand même un peu overnight. On a dormi 2-3 heures. Là, on va tomber. Demain, ça va être la première journée ici. Bonne soirée. On est très excités de skier hein, ce matin. On va avoir du fun. C'est les œufs. Oui, puis ici, c'est Courchevel 1850. C'est la sommet. On voit le grand couloir, Laurent, au milieu. Au milieu du Cap de Roche, c'est le grand couloir. Bien aimé. Ouais, on y va tous. On est dans la plus grosse cabine jamais vue. La capacité de la télécabine, c'est 142 passagers. C'est parti! En route vers le pic de la Soudanie. Hakuna Matata. C'est assez fantastique. Dans le milieu de la piste, les creux, c'est vaste et blanc. Vraiment, jamais vu ça. Première chaise à 8 à vie. On s'est arrêté à la cave des creux. Hey. Yeah, il m'a ramassé le bout de You, je me vais. C'est ici le party. On est venu ici en motoneige. Hein? C'est vrai? Il n'y a pas d'auto qui va juste là. La motoneige. Numéro 4. L'après-midi, c'est Michel qui s'en va skier. Nous, on va aller prendre la chenillette. Une espèce de... affaire avec des chenilles, là, pour aller jusqu'au chalet. Prends ça, parce que toi, tu vas au chalet. Oh! Bon, nous on s'en retourne. Est-ce qu'on la voit là? C'est ça la chenillette? Ah ben. Regarde qui conduit la chenillette. Tu restes ici? Non. Bon les enfants. Alors, la seule manière d'accéder à ce restaurant-là, c'est avec la petite chenillette. Il est là-bas en haut, là. Il y a le restaurant. Ok, je me rends compte que je vous ai pas vraiment montré le chalet. Et je vous ai peut-être montré ça. C'est dans le chalet, il y a une piscine. Exactement les bonnes dimensions.
sur Madame Roblochon.